Je m'appelle Max Caulfield. J'ai toujours voulu devenir photographe. Je vois le monde à travers mon propre objectif. C'est certainement ma manière d'en faire partie, tout en gardant mes distances. J'ai toujours été plus intéressée par les appareils analogiques que par les technologies numériques. Bien que j'ai bavé devant tous les appareils photos de la classe, j'apprécie tous les styles et techniques, mais les selfies instantanées sont ce que je préfère. Je me fiche de ce que pensent les autres, je suis bien accompagnée, non? Et me voilà revenue sur ma terre natale pour étudier la photographie à l'Académie de Blackwell. J'ai même décroché une bourse. Quand je suis partie, j'ai laissé derrière moi ma meilleure amie pour toujours, ma best assist ever. Enfin, si c'est toujours valable après 5 ans. Bah, tu pouvais communiquer avec elle, enfin, en 2013 quand même. C'est trop bizarre de ne pas l'avoir vue depuis mon retour. Enfin, j'ai 18 ans. Je suis donc officiellement adulte maintenant. Même si je me sens pas vraiment sage ou mûre. Je suis prête à commencer une nouvelle vie ici, mon appareil rétro à l'épaule. Oui, Stitchy. Eh bah, écoute. Écoute, très bien. Est-ce qu'on lit un autre? Jack Jefferson, un des meilleurs photographes du monde, est mon professeur. Merde, pardon, c'est pas la première personne, excusez-moi. J'ai choisi Blackwell, c'est surtout pour lui. Ah, non, pardon. Si j'ai choisi Blackwell, c'est surtout pour lui. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir l'un de ses modèles comme enseignant. J'ai toujours adoré son style art déco et gothique. Il est vraiment polyvalent, des magazines de marketing publicitaire. Mais il est peut-être un peu parfois hautain. Il est plutôt cool pour son âge, mais comme dit Magicobus, on lui pardonne parce qu'il est BG. Mais il lui arrive d'être distant, voire méprisant. Il a le sourire suffisant quand il croit avoir raison. Et bien entendu, Jack. Ah non, pardon, Marc, Marc. Marc, excusez-moi, Marc. C'est pas Jack. Mais je crois qu'il nous prépare à la dure réalité de la vie d'artiste. J'ai l'impression qu'il comprend véritablement mon travail et mon obsession pour le format analogique. Il insiste pour dire que je participe au concours. Il insiste, pardon, pour que je participe au concours Héros du quotidien. Il y a Miss Lecture, c'est pas mon style, monsieur, je pense qu'il y a méprise. Mais jusqu'ici, j'ai réussi à esquiver. Le gagnant ira à San Francisco pour représenter l'Académie Blackwell et se faire connaître au niveau national. J'aime bien penser que mes photos sont assez bonnes pour remporter le concours, que je suis flattée. Et je suis flattée que Jefferson me pousse à participer. Tout à fait. Et comme le dit si bien, il est BG en plus. Eh bah, bien, très bien. Allez, un petit Victoria et après on arrête. Victoria Chase, l'élite de l'Académie Blackwell, une connasse de première. Je déteste dire ce genre de choses, mais si je comprends pas pourquoi. Mais je ne comprends pas pourquoi une fille aussi riche et jolie. Mais arrête de tout ramener au physique, putain, c'est abusé ça! On s'en bat les couilles qu'elle soit belle! Putain! Putain, excusez-moi, mais ça m'énerve ça! Bon, ça va qu'elle a 18 ans. Allez, on reprend. Je sais pas pourquoi une fille aussi riche et jolie ressent le besoin d'être aussi odieuse. On a 18 ans, on devrait être en train de devenir des artistes et des érudits, pas de vraies stars de télé-réalité. Oh, le shot gratuit sur les gens de la télé-réalité, ça fait deux fois. Elle en fait des tonnes, c'est le Victoria Show. Elle perd même son temps à se moquer de moi en classe et à embêter Kate. Sérieusement, si ses parents pouvaient la voir, ils lui couperaient les vivres. Vite fait, bien fait. Mais en même temps, elle fait partie du Vortex Club. Et le Vortex Club fait la loi sur le campus. Je suppose qu'elle s'en fout royalement. Bizarrement, elle s'y connaît vraiment bien en art et en photographie. Elle sait même prononcer tous ses noms à coucher dehors. Son travail est un peu froid, mais elle a du talent, c'est sûr. Elle a aussi quelque chose pour Monsieur Jefferson. C'est évident. Ça fait peine à voir. Elle a aussi quelque chose pour Monsieur Jefferson. C'est-à-dire quoi? C'est qu'elle pince pour lui? She has a crush. Elle se frotte pratiquement à lui. Quoi? C'est ahurissant. Mais lui, il a l'air de garder ses distances. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand une lèvre se frotte à toi, faut s'éloigner, hein. C'est clair qu'elle est prête à tout pour gagner le concours héros du quotidien. Je parie qu'elle ne supporte pas d'être confrontée à quelqu'un qu'elle n'arrive ni à séduire ni à acheter. Ah! Ah! Excusez-moi. Ah merde, faut que je lise Nathan. Oh, flemme. Ça suffit de la lecture. Hop là. Fenêtre, regardez. Pardon, excusez-moi. Voilà ce qu'elle a pour Monsieur Jefferson. Magicobus, c'est la pire. Regardez. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Lire. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Est-ce que ça vaut le coup?
Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Ok. Mais attends, moi j'ai pas tout vu là. Le jeu, tu m'as emmené regarder. There's my poor laptop begging me to check in. I look so pathetic. Oh, mais non, mais arrête de te flageller là comme ça. Bichette, c'est pas simple. Max Wolfine a mis 81, abonnés 12. Pas mal. Pas mal. Oh, j'ai la même lampe. La lampe Ikea. La lampe que vous voyez là, là la rose, lampe Ikea. Moi, je l'ai en blanc. Je déconne zéro. Regardez. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. J'avais des flèches sur ordinateur. Ah, j'ai pas vu. Suivant. That was a good hockey game and a great fight. Oh, elle avait un appareil dentaire trop choupi. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Mais tu t'es déjà fait des potes, ma poule, avant, tu vas y arriver à en refaire. Là, j'ai l'impression qu'on avait quelqu'un qui sait même pas... qui sait pas se faire des amis. I look suivant. So... Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. Mais non, t'inquiète pas. Quick sketch of my new muse, c'est trop gentil ça. Je suis tellement... je pense que je suis méga naïve en fait. Je pense que c'est ça. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Mais oui, tu as déjà fait un pote. Qu'est-ce qu'il nous dit? Max, merci de m'avoir filé tes notes de cours de Jefferson. Tu n'as pas fini de recevoir des messages de reconnaissance éternelle. Oh, et j'ai une compilation variée de séries de films cultes classiques et complètement déjantées sur une grosse clé USB. Au cas où ça t'intéresse, merci encore pour ton aide. Je suis plus un scientifique qu'un artiste. Est-ce que tu pourrais m'expliquer vite fait comment fonctionne un appareil photo? C'est vrai qu'il est drôle. Ah là là, Warren. Toujours le mot pour rire. Qu'est-ce qu'il est drôle, putain. Les photos, j'ai déjà regardé. Livre d'art. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton. Hamilton. The greatest. Ce bon vieux Warren. Regardez. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? I don't care. Music inspires me in my photography. Alors, tiroir, ouvrir. Max and Chloe, best friends forever. No. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Mais ça se trouve, elle est même plus là, Chloé. Bon, je vais vous laisser, je regarde le replay. Je regarderai le replay, trop gentil. Des bisous, tout le monde, des bisous, Guildarts. Des bisous. Je le mettrai sur YouTube. À SAP. De toute façon, on reprend jeudi. Parce que demain, c'est mardi, je peux streamer, mais je sais que mardi, c'est Koh-Lanta. Et Magicobus aime bien Koh-Lanta, donc je ne ferai pas Life is Strange mardi. Voilà. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Ours en peluche. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded. Trop adorable. Bah non, attends, t'as payé pour ma petite dame. Hein. Enfin, c'est l'argent de Guildarts, mais t'as payé quoi. Quand même. Attends, éteindre. J'éteins, il se passe quoi? Bon, ça n'a pas éteint la lumière en tout cas. Ok. Ça n'a pas éteint, pardon, la musique. S'allonger, non, d'abord on va lire un peu. Regardez. Warren even left me a laissé un petit message sur sa clé USB, il est trop bête. He's such a goofball. Sacré Warren.
L'attention de Max est acquise de droit. Le contenu de cette clé est de nature graphique bouleversante et sujet à controverse. Cette compilation a été téléchargée pour un public difficile et avec le plus grand soin. Nous vous félicitons pour votre goût exceptionnel. Ok. En attendant avec impatience vos retours approfondis sur Cannibal, Holocaust et Ultra Vixen. Amicalement, Warren. Alors, j'ai pas compris. Félitoncic. Ouais, je pense que c'est un petit jeu de mots que vous me connaissez. Hein. Tout se passe bien. Chambre, sortir. Non, on va s'allonger. Et là, on a quoi? Une guitare? Ah, une petite guitare. Regardez. It's such a pretty guitar. I need to play it more. We congratulate you, donc j'imagine que c'est un souci de traduction. Ah oui, c'est vrai que j'avoue qu'on aurait pu lire l'anglais pour vérifier. C'est trop chill comme atmosphère, j'aime bien ce jeu. Puis en tant que joueuse Nintendo, les graphismes me choquent absolument pas. Donc c'est nickel. Elle va jouer longtemps? Faut que j'arrête ou pas ou... Ah, congratulate. Ah merde, pardon, moi j'ai lu vraiment le truc derrière. Moi j'ai lu congratulate direct. Excuse-moi. Non mais moi, I'm bilingue. I speak English. Congratulate. Ton cerveau il a complété. Ah oui, mon cerveau il a fait non, c'est congratulate en fait. Mon cerveau tu se boule. Non, je suis désolée. Bon, c'est bon, t'as assez joué, meuf. On a le temps de dire de la merde avec Magicobus. Putain. Heureusement que j'ai dit que c'était un jeu de chill. Regardez. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. Ah, j'avoue, c'est trop bon. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Et ton père, il t'a rien envoyé? Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Happy birthday, Maxine. We'll never forget the day you were born and your first smile. It was love and first sight. At first sight. It's your special day! We miss you, but we are so proud that you're following your dreams. C'est très gentil, ça. Ah mais c'est vrai qu'il y a la version française à chaque fois, il faut que je clique sur lire, ça sera mieux. It's not exactly pretty and pink, but no shits are given. Pareil, arrête de parler de vêtements, meuf. Ça m'intéresse pas, moi, les vêtements. Alors toi, ça t'intéresse peut-être, moi j'en ai rien à foutre. Voilà, donc tu arrêtes de parler de physique. On en a marre. Je joue pas aux jeux vidéo pour être constamment ramené au physique. Sinon, je serais en train de regarder Nouveau Look pour une nouvelle vie, ok? Would Man Ray call them selfie portraits? J'avoue, les dessins sont vraiment cool. Les dessins sont vraiment très stylés. Livre. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. Non mais Kate, elle me fait peur. Kate, j'ai peur qu'elle survive pas à la fin du jeu vidéo. Instant film is so damn hard to find and expensive now. Les graphismes et la musique sont vraiment un gros point fort de ce jeu. Franchement, c'est top, hein. Plante. Combien de temps va réussir à la faire survivre? I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. Wait. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Mais non, mais vérifie que la terre est pas trop humide avant d'arroser, elle est folle. Cette action aura des conséquences. Non, je plaisante. C'est juste qu'elle va survivre, quoi, la plante. Eh ben écoutez, on va s'allonger. Quelle heure il est d'ailleurs? Bon, je vais être dans 15 et 30 minutes. Nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. OK. Espace se lever. OK.
Ok, mais on a fait le tour de notre chambre. Je pense qu'on est pas mal. Tiroir, livre d'art, photos. J'avoue qu'elle est pas mal la chambre. On t'a laissé des habits traîner par terre, mais c'est pas grave. Un petit ventilo, air conditionneur, je sais pas trop. Miroir. Ah non, si elle parle de son physique, je vais péter un boulon. Hard to believe I'm 18. Ça va, Do elle I a look rien any dit. Older? Just more stressed. Trouver la clé de Warren. Ah oui, c'est vrai. Il nous a dit quoi déjà? Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Faut trouver la clé de Warren. Attends. J'ai déjà oublié le but du jeu. Oh, elle a décédé. Trop mimi. C'est vrai qu'on avait décédé avant. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Regardez. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. Pourquoi il y a une photo dans mon arbre, dans ma plante? T'es folle, toi? Vêtements, poster. Chambre de Max. Moi, j'avoue que je serais ressortie, hein, là. Ça, regardez. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Tiroir, ouvrir. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Post-it. J'ai déjà regardé le post-it ou pas? Je me souviens plus. Looks like Dana left me a little post-it note. Bon, on l'écrit un peu pendant que je révise. Ah oui, putain. Salut Poulette, bisous. Gros bisous D. C'est qui dit déjà? J'empruntais ta clé USB pour me distraire un peu pendant que je révise. D. C'est qui D? C'est... Ah oui, Dana. Ok, je la connaissais pas, c'est pour ça. Attends, c'est parce que tout le monde peut rentrer dans sa chambre? You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Quoi? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Let me out, Juliet. This is so stupid. Answer, you wuss. Juliet looks like she's ready to throw down. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous êtes amis? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Oh merde. Ah bah c'est pas grave de toute façon. Allez. Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Ah, merci. Ça, c'est gentil. Ça m'a évité de passer du temps comme tout à l'heure. Parce que je vous cache pas que j'aurais pas mis Watson. Let me out, Juliet. This is so stupid. Hey, Juliet. Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Comment tu le sais? Est-ce que Dana fera ça? Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know. Leave me alone, Max. Get a clue. Ugh. Du coup, moi je veux ma clé USB en fait, meuf.
I should find a way to end this silly standoff. Allô? Bruit gauche, quitter le drone de la fille. Pas besoin d'aller là-bas, ok. Faut que je rembobine le temps? Panneau d'affichage, on l'a déjà lu. Chambre de Victoria. Ah! Attends, déjà qu'on s'embrouille avec elle. Oh! Bon, heureusement, on peut remonter en arrière, c'est vrai que c'est pas très grave. J'ai l'impression qu'elle a une chambre plus grande que nous. Chaussures, vêtements, regardez. Dior, Givenchy, you could pay for my tuition with that ward. Those boots are made for walking runways. Gazette. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. La couette totem, l'esprit de l'information depuis 1898, le Vortex Club, drogue, sexe, and secte, pardon. Et rock'n'roll de par Juliet Watson, ok. Le Vortex Club, un des groupes les plus anciens et influents de Blackwell, fut établi dans les années 1980 en réponse au mouvement Yuppie de l'ère Reagan. Je sais pas si ça dit Yuppie, mais on va dire que c'est ça. Imaginez une époque où les bennes à ordures débordaient de nerds, et où les cheveux teints en bleu pouvaient provoquer un renvoi ou des actes de violence. Les étudiants portaient des boucles d'oreilles, se faisant harceler et parfois passer à tabac. De nos jours, tous les footballeurs ont des piercings. Les Vortex étaient à l'origine un refuge pour les victimes de pression de groupes communes. À chaque génération, quelle ironie de voir ce rassemblement révolutionnaire devenir, pour citer certains étudiants, une secte élitiste. S'agirait-il de jalousie à l'encontre de l'une des organisations les plus populaires de l'académie ? Nous avons cherché à obtenir un entretien avec Victoria Chase, membre du Vortex Club, mais cette dernière a refusé et même cherché à emprunter, à empêcher la publication de cet article. Bonne nuit, Magicobus. On se retrouve jeudi, si t'es dispo. Si tu l'es pas, dis-moi, je décale, parce que c'est quand même pour toi. Au moins les deux premiers streams. Deux, trois premiers streams, même. Donc tu me diras. Jeudi, c'est très bien. Et ben on se retrouve jeudi. C'est vraiment cool, ce jeu. Je suis très contente, comme je m'y attendais. Pour l'instant, ça me donne grave envie de continuer. Darky, trop mignon. Dans l'ombre, mais toujours là. Ok, donc on comprend que... on peut pas le prendre pour lui montrer. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Who cares? Bitch. Ah oui, puis elle l'a laissé, tu vois, traîner, quoi. Victoria is a real Jefferson groupie. Ah oui. Local exhibition, bin, hip, café. Yes, Victoria has the best retina screen. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Attends, lire. Victoria, gna gna gna, abonné, alerte de hipster avec toi. Ok. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Tout ça, tout une fois. Attends, pardon, je vais lire en français, c'est mieux. Je viens de pourrir Juliet et Dana beaucoup. J'ai simplement eu à dire à Juliet que j'avais vu un sexto de Dana dans le portable de Zach. Cette bouffonne m'a cru attention drama en vue. Juliet mérite bien ça pour m'avoir piqué Zach. Et Dana, on s'en tape de Nana. Et Dana, on s'en tape de Dana, ok. On lui a juste piqué Zach. Ah, donc en fait, elle kiffait Zach. Alors, comment on imprime ça? C'est pas avec ça qu'on imprime? Ok. Imprimer email. This better convince Juliet that Dana is innocent. On n'a pas d'autres trucs à rigoler. Regardez. Ouch. At least she puts her photographs out there. Unlike me.
Merci de l'intérêt que vous avez porté à la galerie Croft. Nous sommes désolés de vous informer que votre travail ne correspond pas à ce que nous recherchons en ce moment. Ok. Non, mais au moins le test, ouais, j'avoue. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victor. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Regardez. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Attends, tu savais pas qu'elles étaient... Elles s'appellent Chase? Et t'avais pas fait le rapprochement? Merde, faut que je sorte. Non, ça va. Tout va bien. Ah, mais du coup, je suis en face. Je suis en face de connasse. Ah, pas de bol, hein. Poor Juliet is about to get smited with truth. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Mais grave. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Bon bah nickel. Et bah franchement, je regrette de moins en moins de l'avoir pourri l'autre là. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Regardez. Dana really does look stressed about all this. Hey Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria est mesquine. Juliet est enragée. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend? Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Il est sympa, qu'est-ce que tu veux dire? What do you mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Are you blushing? Go ahead and grab the flash drive whenever. Autocollant, regardez. It would be a cool sticker without the words. Regardez. This is both sad and pathetic. Sad and pathetic. Les lettres. Dana, les lettres, c'est pas mon truc, mais je voulais t'écrire pour que tu me détestes pas pour toujours. Je sais que je me la pète devant les autres. Mais avec toi, j'ai jamais fait semblant. Je te mérite pas. T'as vu comme je me suis dégonflée. J'espère qu'on pourra redevenir amis. T'as besoin d'argent, dis-moi. Bisous, Logan. C'est qui? C'est qui Logan déjà? Ordinateur portable. Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. Tu peux utiliser l'ordi devant les gens, ok. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. Justine est collée sur le canapé en mode console. Justine est collée sur le canapé en mode console. Si tu veux venir, on peut fumer, se faire quelques parties ou aller se promener. Tiens-moi au courant, je suis là. Toujours là. Et oh! Attends, merde. Il y avait des flèches? Non, il n'y a pas de flèches. Of course, a popular cheerleader like Dana would have a million friends. There's that damn flash drive. Must protect my precious so Max never has to chase it down again. Qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a imité Gollum? I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Dana takes her Blackwell spirit seriously. Ok, c'est une pom-pom girl.
Nous, on va regarder une petite clé USB. Alors, ordinateur portable. Utiliser. Non, clé USB, pardon. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Ok, Max de Party Buster. Je peux cliquer? Ah non, je peux pas. Science et expérience de voir la cinématique ultime de Warren G, la meilleure série télé du monde. Du son, d'hiver. Non téléchargé, soirée de la honte, âme sensible, attention, Max. Attends, je peux pas faire. Utiliser. I look so Daniel has. I am Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend. Qu'est-ce qu'il m'a dit, non? Et pourquoi clé USB, je peux pas faire plus? I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. C'est tout, USB. Je vais marquer USB 2, ouais. Je comprends pas ce qu'il faut faire. I better make sure everything is still in oui, oui, tu feras mieux, gna gna. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Je peux pas cliquer dessus. Je peux pas l'utiliser comme un vrai ordinateur. Bon bah voilà, j'ai vu, hein, qu'est-ce que je te dise. Sortir, ouais, je sors. Marqué quoi? Oh Victoria, give me a fucking break. Be the change you wish to see. Oh mon Dieu Seigneur. J'avoue, je suis d'accord. Dana, parlez. Now I feel too wiped out to leave. Test de grossesse. That looks like a home pregnancy test. Ah, touche pas ça avec tes mains. Hein. Oh Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. J'avoue. C'est abusé ce que t'as fait, meuf. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. Non, non, on va laisser comme ça. You are dense. Go. Lettre de la clinique. I said, please go. Non, attends, on va remonter. Parce qu'on a envie de lire le reste. I assume Dana kept the appointment. Doctor appointment, Center for Women's Health, Fertility, Pregnancy, Childbirth. Vas-y, on va quand même regarder le test de grossesse. Parce que... Pourquoi? Parce que vas-y. C'est le premier truc qu'on a fait. Vas-y, on le prend. Oh Max, that's mine. Thank you. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. On dirait que c'est que le jeu nous dit un peu ce qu'il faut faire, genre, tu sais, quand tu te trompes,
Tout à l'heure, pareil, quand je me suis moqué de la meuf, il m'a fait « Ah, en fait, c'est peut-être pas le bon choix. » Genre, je pense qu'il y a un chemin à prendre, un peu le bon chemin à prendre. Je ne suis pas en train de prendre des coups, du coup. x2, puisque je me suis embrouillée avec la Victoria et avec elle, du coup. Mais on va rester comme ça, on assume, on assume. Par contre, j'ai pas compris ce qu'il fallait qu'on fasse avec la clé USB, ça me saoule un peu. But what's this poster really trying to tell me? D'ailleurs, comment on sauvegarde? Chargé à partir du dernier point de contrôle. Je sais pas où il est mon dernier point de contrôle, moi. Je peux re-rentrer? Regardez. Tablette, bijoux. Oh! Yes, I get it. Enter the Vortex Club. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Clé USB. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the party. Ah ouais, donc j'ai toujours mon. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Utiliser. Ouais, donc en fait, attends, mais en fait, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je retrouve Warren. Je lui ramène la clé USB, regardez. Recherche. Vêtements, chambre de Victoria, photo. Réorganiser. Speaking of selfies, let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here and this one there. Oh putain, c'est salaud. A pattern is emerging. Non, ça, je sais pas. Bah si, on va le faire, ça fait une photo. C'est salaud, on est en train de la... Oh, je suis pas bien avec ce qu'on fait, là. Ça, je suis pas à l'aise. Hein. Rentrer chez les gens et faire le fuck. C'est salaud, hein. C'est salaud, ça. Non, mais vas-y, on continue de se faire notre ennemi. Tu vas la pousser à bout. Imagine. Oh, imagine, elle se tue. Non, 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 mais là, je vais trop loin. Mais vu qu'ils sont tous des dépressifs, moi, j'ai peur. Vas-y, on le fait. On le laisse. On le laisse. Ah, putain, je crains. Je me sens pas bien de faire ça. Hein. Ça va que c'est un jeu vidéo. Ne faites pas ça chez vous. Un message de Warren. Ça ne me dérange pas d'attendre, gnagnagna. Les SMS prennent trop de temps, j'arrive. A plus. Ok. C'est horrible ce qu'on a fait. C'est horrible. Eh ben écoute, moi en vrai, je vois l'heure, je vais aller arrêter, je pense. Parce que là, je pense qu'on est au dernier point de contrôle. Allez, retour au menu principal, ta progression non sauvegardée sera perdue. Je sais pas ce que c'est ma progression non sauvegardée, donc... Contenu téléchargeable. Téléchargeable ? Choix, épisode. Franchement, c'est très stylé. J'aime beaucoup ce jeu. Pardon, excusez-moi. Le test de caméra. J'aime beaucoup ce jeu, donc voilà. J'y rejoue jeudi. Demain, on partira plutôt sur du Splatoon. Mais voilà. Je suis très content, je le trouve très cool. Je sais pas si vous l'aviez fait, vous. Mais je le trouve très sympa. Donc voilà. Je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit, une bonne soirée.